Les dates de la vie de Giorgio de Chirico. Deuxième partie. 1925, il s'installe à Paris invité par les surréalistes. 1928, rompt avec les surréalistes. 1931, connaît Isabelle Lafar. 1935, après la mort de sa mère, il se rend aux États-Unis. 1945, écrit « Les souvenirs de ma vie » et « Le livre de comédie d'art moderne ». 1953, il s'installe définitivement à Rome. 1970, exposition au Palazzo Real de Milan. 1978, il décède à Rome.